Bienvenue à tous à notre capsule Les idées noires de Lisa Gigelli. Aujourd'hui, on va entreprendre la partie 2, la deuxième partie de notre capsule que à la radio que je vois que les gens adorent en fait. Alors, j'ai dit non, je ne veux pas les faire attendre. Et je vais entamer la deuxième partie que je vais partager avec vous. Alors, restez branchés, restez avec nous. Nous vous reviendrons après la pause musicale. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à notre capsule Les idées noires de Lisa Gigelli. Nous sommes de retour de la pause musicale. Avant que j'entame cette deuxième partie, je vous informe que nous avons des séries d'événements qui arrivent bientôt à notre centre d'art et artistes-en situé au 10 rue Fels à Stansted. Alors, je vous invite fortement à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre site web qui est le www.kaaz.ca. Kaaz, ça s'écrit CAAZ.ca. Et sur Instagram, car nous sommes plus souvent sur Instagram. Encore une fois, je répète, nous sommes rarement sur Facebook, mais surtout sur Instagram. Alors, consultez notre site web, consultez Instagram, consultez Lisa Gigelli, la chaîne YouTube de Lisa Gigelli. Vous serez à l'affût de tout ce qui s'en vient, de toutes les belles surprises qu'on a préparées spécialement pour vous. Alors, restez branchés, on revient après la pause musicale. De retour de la pause musicale, chers auditeurs, chères auditrices, alors je ne vous ferai pas trop attendre, nous allons enchaîner avec la deuxième partie des idées noires de Lisa Gigelli qui est quand même très appréciée sur notre station de radio présentement. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous faire attendre pour la deuxième partie. Juste un moment, une petite pause musicale, mais très petite, et nous vous revenons.
on va enchaîner avec les idées noires de Lisa Gigi-Lili. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, d'accord. Alors, écoutez attentivement. Avant que je débute, encore une fois, il est important parce que ça a beaucoup de signification, d'accord, dans ce que je suis en train de partager avec vous. Je sais qu'il y en a qui comprennent et d'autres qui peut-être qui se demandent c'est quoi, mais vous avez le droit de les d'interpréter ça à votre manière ou selon la compréhension que vous avez. C'est un peu comme la peinture, on le regarde mais tout le monde ne voit pas, vous ne voyez que qu'est-ce qui vous concerne en fait en réalité. Alors j'ai voulu souligner cette partie. Alors allons-y, les idées noires de Lisa Gigi-Lili. 1, 2, 3. Fou de rage en cavale, destructeur ambulant qui râle, en escale dans son communal, il chamboule dans son canal hivernal, un passage vers le chaos mental, une arrogance glaciale, inamicale, il s'obstine dans sa boule de cristal, vers un idéal glacial, ce fou déloyal, se prenant pour un sentimental. Voilà. Alors, je sais que, encore une fois, beaucoup de gens m'ont manifesté leur appréciation sur notre chaîne de radio. Alors, je vous prie de faire de même sur la chaîne YouTube. Je vois que vous êtes un petit peu timide, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Et surtout, si vous êtes nouveau ou nouvelle, sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Lisa Gigi-Lili, n'hésitez pas, inscrivez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification, cliquez j'aime, c'est très apprécié, comme ça je vais pouvoir continuer à vous apporter le meilleur des meilleurs. Alors c'était tout pour aujourd'hui, pour la petite capsule Les idées noires de Lisa Gigi-Lili. C'était la deuxième partie et nous vous revenons bientôt avec la troisième partie. Alors, restez branchés, restez avec nous, suivez-nous sur notre chaîne YouTube, sur case.ca. N'oublie pas de faire un petit tour, Noël arrive, à la galerie boutique d'art de case. Allez faire un tour, suivez-nous sur Internet, suivez-nous sur Instagram. Suivez-nous sur la chaîne YouTube de Lisa Gigi-Lili, ainsi sur le site web de Lisa Gigi-Lili Radio Station. Alors, à très bientôt.